Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans. Elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Changer de coin un jour. Moi, je n'aime pas les chambres d'ici. Là. Écoute, chérie, pas de caprice. J'ai déjà réservé la chambre d'hôtel, tu vois. Ah, mais changer un coin. Il faut mais trouver un coin. Moi, je n'aime pas. Bon, ok. Oh, attends là. Tu as changé de catégorie. Tu les prends maintenant à la crèche. C'est-à-dire, Yolande, écoute. Oh, tu me fais pitié. Mais et ta femme dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? C'est qui celle-là? Toi, tu la fermes, hein? Elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, rien du tout. Tu vois, c'est une fille qui a été chassée de chez ses parents. Je vais juste lui trouver une chambre et après, je passe régler le problème chez ses parents. Voilà, attends, c'est tu tout. Me prends pour une gamine ou quoi? Mademoiselle, sortez ici. Pardon? Vous voulez que je vienne vous faire sortir de là moi-même? Ce monsieur est qui pour vous? Qui ça? J'ai dit ce monsieur est qui pour vous? C'est mon oncle. C'est ton quoi? Mon oncle. Voilà, je te l'avais dit. C'est bien ce qu'elle a répété. Waouh! Mais le Seigneur, il est merveilleux! Encore vous. Et c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Non,
Au fait, c'est-à-dire que j'étais à Dakar pour récupérer mon dossier scolaire parce que mon père voudrait bien que je m'inscrive ici cette année. Oui, c'est moi-même qui ai décidé comme ça de rester au pays. Et savez-vous pourquoi? Non. C'est à cause de vous. Ne me faites pas rire. Oui. À cause de moi? Non, au fait, vous savez, depuis notre première rencontre, je n'ai jamais cessé de penser à vous et à mon attitude déplacée. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je rentre jusqu'à aujourd'hui. Comment saviez-vous que je viendrai voir mon père aujourd'hui? Cela fait 3 mois que je fais le guet là. 3 mois? Oui, 3 mois jour pour jour que je suis posté là, à vous attendre. Et aujourd'hui, la chance m'a souri. Vous avez vraiment de la chance. Ah, vous savez, je suis chanceux moi. Et qu'est-ce que vous me voulez? Vous savez, je suis là juste pour me faire pardonner. Je vous en supplie. Pardonnez-moi pour mon sale comportement. Dès ce soir, je passe voir ses parents pour régler son problème. Et toi-même, qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Il ne s'agit pas de ça. Je suis passé voir une amie qui a accouché. C'est en rentrant à la maison que j'ai vu ta voiture. Mais ça tombe bien même. Donne-moi l'argent, je vais prendre mon taxi. Ah là, pour le taxi, ce n'était pas prévu. Hein? Tu dis quoi? Répète un peu là. Bon, ça va. Ça va. Voilà 10 000 francs. Maintenant, je peux m'entretenir avec ma nièce? Mais vas-y, je ne te retiens pas. Mais n'oublie pas que la semaine prochaine, on a rendez-vous toi et moi. Moi, je ne suis pas pressée. Je sais où je vais t'attraper. Ok, ça va. C'est bon. N'importe quoi. C'est ton intelligence. Ton intelligence m'a aidé à me sortir de cette situation, tu vois, non? Pardon, là. Dis plutôt que je me suis échappée de cette situation. Tu penses que quoi? Je vais laisser ton éléphant à m'écraser par ta faute. Écoute, je voulais juste éviter ce scandale. Voilà, c'est d'ailleurs tout. Même c'est qui cède. Ok, c'est bon. Je n'ai plus envie de quoi que ce soit. Je vais rentrer chez moi. Non, écoute, c'est pas pour ce petit incident-là que tu vas me laisser, toi, gâcher notre soirée. Notre quoi? Hein? Notre quoi? J'ai dit ça suffit, je vais rentrer. Ok? Ou bien si tu veux pas donner mon argent de taxe aussi, je vais aller à pied. Je te raccompagne. Et vous là, faites vite, on va partir là. Oh. Hey, mon ami Touré. Ah, Djami. Toujours impeccable. Ah, oui. Merci. Mais tu es sur ton 31 là. Où on va comme ça ce matin? Mais quand on rentre chez quelqu'un, on le salue d'abord. Ça au moins tu le sais. Oui, excuse-moi. Que Allah soit avec toi. Ouais. Qu'il soit avec toi aussi. Amina. Djami. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Mais comme tu le vois. Oui. Je vais à une fête. Oui. Ma fille a eu son bac. Et sa tutrice organise une fête. Oui. Nous allons célébrer son succès. Ah, voilà. Touré, tu es mauvais. Très, très, très mauvais. Safrelay. Ta fille, ma fille, notre fille, a eu son bac. Tu n'es pas fichu de me le dire. Ah, Gabi. Chéri. Son bac. Non, je te comprends. Parce que ta femme vend du baka au marché et que tu te trouves avec ça. Non. Ma fille n'a pas eu baka. Elle a eu son bac. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Oh. Nettoie bien tes oreilles. Son bac. Ta fille est née devant moi. Elle a grandi devant moi. Ça, donc tu as le droit de m'informer de son succès. Quand même, je te fais quoi, Touré? Bon, ça va. Bon, écoute. Ça va? Oui, ça va. Tu le sais maintenant. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Oh, la seule chose que je peux faire, c'est de partir avec vous à la fête et la féliciter. Ah non, tu n'es pas invité. Vous êtes pardonné. Hein? Vous êtes pardonné. Sûr. Je suis pardonné. Oui. Vraiment, mademoiselle, vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis content. Hein? C'est si comme je viens de me débarrasser d'un lourd fardeau. Mademoiselle, passez une excellente journée. Que Dieu vous garde. Écoute, c'est pas cette pamplemousse-là qui va venir gâcher notre soirée. Non, pourtant, c'est cette pamplemousse que tu suces. Vous m'avez même pas dit votre joli petit nom. Ah, vous avez déjà oublié? Moi, c'est Jean-Jacques. Moi, c'est Sonia Nofé.
Ah, Sonia de Fou. Enchantée. Si ça vous dérange pas, on pourrait prendre un pot ensemble. Non, merci, 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 merci. Vous ne faites pas prier. Non, merci, je sais. Vous n'allez pas me refuser ça? Ma belle, je le ferai pour vous. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous dites? Non, au fait, c'est du Wolof, ça veut dire je suis à votre entière disposition. On y va. Hein? Bon, ça va. Sinon, en fait, je veux juste rester au pays parce que au Sénégal, c'est dur. Ah bon? Oui. Avec, comment vous vivez là-bas? Le logement, c'est extrêmement cher. Cher. Bien habillé, merci. Bien parfumé. Je vais à un rendez-vous. Hey, tu vas à un rendez-vous. Et moi, tu ne veux plus de moi. Non, j'ai dit je vais à un rendez-vous. J'ai pas dit je ne veux plus de toi. C'est différent. Attends, rendez-vous là, mais c'est avec qui? Toi, tu es mauvais. Un peu de truc, je mets un rendez-vous. Rendez-vous là, c'est avec qui tu vas? Tu vas me faire une scène de jalousie dans la rue. Et puis tu crois que quoi? Qu'il y a quoi entre toi et moi? Mais, Réal. On va. Courons en travail. Hein? Courons en travail. Awa! Awa! Tu fais quoi là-bas? Mba! Réa-moi ça. J'étais en train de m'arranger un peu. Mba! On peut partir maintenant. Où est Klotoum? Tu disais. Courant en travail. Je vais rester. Tu dis quoi? Courant en travail pour ne pas aller avec vous. Mais donc on va rester, on va l'accompagner. Non. Toi,